Et encore une fois, de prendre la parole aujourd'hui pour inaugurer le lancement du programme Maroufa Shabab Wahaz Zambro. Cette initiative révolutionnaire vise à revitaliser le secteur artisanal et des métiers manuels par le biais de l'entrepreneuriat pour notre économie. Le programme s'articule donc autour de plusieurs axes stratégiques. Mesdames et messieurs, nous avons développé un système compétitif de sélection de plans d'affaires performants, Madame Ali Mohamed ne dira jamais le contraire, pour les jeunes artisans, alliant identification, sensibilisation et sélection rigoureuse afin d'encourager l'excellence et l'innovation. Au cœur de notre démarche se trouve l'amélioration des compétences techniques et entrepreneuriales. Les artisans sélectionnés bénéficieront par conséquent d'un accompagnement sur mesure, allant du développement personnel à la gestion comptable, en passant par des formations techniques spécifiques. Notre soutien ne s'arrête pas au financement. Nous offrons un suivi coaching rigoureux pour assurer le succès et la pérennité des entreprises créées. Notre objectif est clair: créer un écosystème propice à l'émergence et à la croissance de micro et petites entreprises dans le secteur artisanal. Nous visons à créer des emplois directs et indirects, à valoriser le savoir-faire local et à stimuler le dynamisme économique de nos régions. Le programme Maroufa Shabab Wahaz Zambro est plus qu'un projet de développement, c'est un engagement. Oui, un engagement envers chaque artisan, chaque entrepreneur et chaque jeune de notre nation, les Comores. Ensemble, bâtissons l'avenir des métiers demain, un avenir où l'artisanat rime avec prospérité et innovation. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Malade.